Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel et avant-dernier épisode de Hearthstone, car oui, c'est l'avant-dernier épisode, l'épisode 19. On se retrouve aujourd'hui car on va faire plusieurs parties avec le prêtre. On va tenter de monter le plus haut possible ensemble lors de ces deux derniers épisodes. Alors normalement, il y aura un petit live prévu après l'épisode 20. L'épisode 20. Alors je regarde mon petit planning. Épisode 20 le 20 juin. Donc l'épisode ici, vous le voyez le 13 juin. Donc la semaine prochaine, ce sera l'épisode 20. Et le live d'après aura lieu le 26 juin. Voilà. Donc ce serait un live, tout ce qu'il y a de plus live, quoi. Alors, non, non, et non. Clairement, c'est pas une bonne main du tout. C'est pas mieux. Honnêtement, c'est pas mieux. C'est même pas mieux du tout. Alors je sais pas ce que Hippo va nous faire. Bon. Moi ouais, je joue comme ça. Vous pas prendre bougie. D'accord, moi pas prendre une bougie, mais ça change rien. Nous devons purifier le puits de soleil. Ouais, je le sentais venir celle-là, hein. Je la sentais venir. La carte qui te donne plus 1 en dégâts des sorts, et puis hop. Vas-y que je te poutre. Donc là, je peux déjà le descendre à 24 points de vie sans quasi rien faire. D'accord. Bah écoute, si ça t'a fait plaisir de faire ça, mon coco. Salutations. Pourquoi pas, mais ça ne sert strictement à rien. Lune d'argent ne tombera pas. Oui, mais je veux bien que lune d'argent ne tombera pas, mais... Oui, si tu veux. A fortiori, pour moi, ça reste la même chose. Quelqu'un est blessé. Ouais, mec. Ça reste la même chose pour moi. Là pour le moment je domine. Là faut que je le détruise absolument. Alors, on va jouer intelligent. Comme ceci. Je vais jouer si je joue celle-là. Voilà. Une petite minute, s'il vous plaît. Tout de suite. Travail terminé. Hop là. Ça fait beaucoup de petites cartes. C'était le but qu'ils la détruisent.
maintenant de nouveau d'huile, sans problème. Ok. Bon, bien entendu. Hop. Voilà. 3 à l'attaque ou moins. Vu que celle-là va être détruite, je me pose pas trop de questions. Ok. Tout de suite. Une petite minute, s'il vous plaît. Bon, ça me pose aucun souci. Parce que j'ai l'avantage sur le terrain et l'avantage en la main. Donc là, ça me pose pas trop de problèmes. Ce qui pourrait en poser un peu plus, c'est si j'ai pas de nouveau une provoque. Oh non! Oh non! Bon, ben me voilà de retour après un bug de merde, alors que j'avais une victoire. Ça peut me gonfler. Mais quelque chose de bien profond, ça. Soyez sur vos gardes. La lumière nous apportera la victoire. Bon, ça d'office. Ok. C'est plutôt une bonne carte, une bonne main. Une bonne main. Ok, direct, elle met direct. Poum, direct la pression. Quitte à perdre 2 points de vie en plus. Ok, cool. Et quoi, elle a décidé de pas me laisser le temps d'attaquer ou quoi? Quelqu'un est blessé. Apparemment, elle a décidé de pas me laisser le temps d'attaquer. Elle va me l'attaquer direct, voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce qui est logique, hein, parce que c'est un danger. Juste le temps pour moi d'avoir une provoque. Au prochain tour, je pense que je vais mettre celle-là ou celle-là. Prêt à partir. Et quoi, elle me les sort ainsi? Quelqu'un a demandé un docteur.
C'est con de déjà plus avoir qu'une seule carte dans sa main au tour. À ce tour-ci, quoi. Complètement inutile. Joue ta carte alors, hein, mec. En fait, il a décidé de me les hacher menu. Enfoncez-vous dans les ombres. Bien vu. Et ça sert strictement à rien. Bon. Une 5-8 Binez. Ça sent à tous les coups le serviteur blessé détruit, ça. Pour le roi. Pour l'honneur. Ça reste un match plutôt serré. Un tir, un mort. Bien vu. Bien joué. Merci. Points de dégâts, je peux lui mettre. Faut encore voir si j'arrive à lui mettre 11 points de dégâts. Ils ont déjà pas 11 points de dégâts.
Sérieux? Tout de suite. Où dois-je frapper? Bazingo! Ouais. Ouais, d'accord, mais ça changera rien à la situation, hein, mon ami. Bien joué. Merci. Et voilà. Première petite victoire dans cet épisode. On va les enchaîner. Ça va être un épisode un peu plus long que d'habitude. On va les enchaîner. Je vous laisse. J'ai un tout petit problème technique. Hop. On fait juste ça ensemble. Hop là, j'arrive, j'ai un petit problème technique. A tout de suite. Et me revoilà. Donc, on recommence là où je m'étais arrêté il y a quelques secondes. Pour vous, c'était quelques secondes. Pour moi, ça fait déjà une petite heure. Ça a duré un petit peu plus longtemps que ce que, j'avais prévu. Anduin contre... Alors, bon, c'est déjà un petit peu mieux. C'est pas tip top, mais c'est un peu mieux. Bon, si Paola 4 pouvait choisir, ça m'arrangerait. Allez Paola, allez Paola, allez, allez Paola. Bon, merci. Ouais, et niveau 21 en prime. Bon. La lumière nous apportera la victoire. Non. Celle-là, je vais la garder. Sait-on jamais, elle peut servir. Travail terminé. Ça a rien à faire de toute façon. Je me demande... Décidément. Alors, hop. Vingt-six, vingt-huit.
Bon compromis. Nous devons purifier le puits de soleil. C'est ça le problème avec le mage. C'est que si son deck, il n'y a pas au moins une ou deux provoques, son deck il tiendra pas. Clairement, le deck tiendra pas. Là, par exemple, là, ça vient déjà bien me mettre un peu plus dans la merde. En avant. Ça me met un peu plus dans la merde. Et après, voilà. Ça me laisse... Ça me laisse un peu de temps pour réfléchir à la stratégie. Ça, c'est le genre d'adversaire sur qui j'aime pas tomber. Je lui laisse le temps. Je me demande... Bon, je veux bien là, mais là, ça prend un peu beaucoup de temps pour jouer, là, quand même. En avant. Hey, une petite minute, s'il vous plaît. Oh, si c'est ce que vous voulez. Bien vu. Pour Naz, j'attaque un ici. Travail terminé. J'ai mal géré ça.
Clairement. Clairement, là, j'ai mal géré. J'aurais dû la jouer autrement. D'abord mettre cette carte-là. Ensuite, celle-là. D'accord, mais il n'empêche que... Allez hop. En avant. Tout de suite. Clair, net et précis. C'est con d'utiliser ça sur moi, sur ça quand même. Enfin, selon mon entendement. En avant. Tout de suite. Normalement, sauf cas contraire où il me met son truc des flammes qui me fait 6 points, choc des flammes qui me fait 6 points de dégâts, je crois. J'ai gagné. Je vais faire joujou. Oh, je vais faire joujou. Bien joué. Oh oui. Tout de suite. Une 5-1. Je l'attaquais avec ma 1-5, mais non, finalement c'était une 5-1. Pépère, tranquille. Allez, on en refait une. Là, c'est à celui qui va prendre l'avantage. Clairement. Salutations. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Salutations. Vous aimez mon invention.
logique. Ce n'est pas ce qui était prévu. Énorme. Énorme. Et quoi, on a les mêmes cartes ? Nous devons purifier le puits de soleil. Logique. Passez-moi cette clé plate. En avant. Bien vu. En avant. C'est un petit peu au feeling en fait, hein. Il la joue un petit peu au feeling. Voilà, abandon. Et ouais, tout, tout, tout. Yeah, yeah, engineer novice, yeah. Ouais, je finirais bien par avoir mon portrait doré. En attendant, on va aller, pour l'avant-dernier, on va aller acheter un paquet de cartes. Et voir un petit peu ce que ce paquet de cartes va nous apporter. Écoutez bien, normalement. Il y a... Regardez bien, parce que normalement, quand je vais parcourir la carte, on va pouvoir voir directement quelle carte c'est. Une normale, une normale, une normale, une normale, une rare. Ok. D'accord. Tout à fait. Rare dorée. Ouh, une rare dorée. Minuscule invocatrice.
Quoi? Et quoi? Il n'y a pas moyen de désenchanter? D'accord, oui, mais... Bon, déjà, celle-là... Je peux en désenchanter deux. Et là ? Ouais. Ah, toutes celles-là, je peux les faire. Le deck shaman, c'est pas vraiment le deck que je cherche à améliorer. Ah bah en fait c'était plus simple de faire comme ça directement. J'en ai combien? 100? Allez. Hop. Assassin de Ravenholt. Hop là. Ça me fait quand même pas mal de cartes. Hein. Allez, je vous dis salut à tous. Bon jeu. Faites bien les geeks, parce que la semaine prochaine, c'est le dernier épisode. Et après, un live. Et on se revoit plus sur Hearthstone. Salut à tous.